Hey, salut à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui on part à Vercelli, la première étape de la Coupe du Monde de l'année. Donc voilà, je vais faire 2-3 petites vidéos pendant le trajet. Voilà, là on a un peu moins de 4 heures de route normalement, donc on verra bien comment ça se passe. Allez, c'est parti! Voilà, on approche de Chamonix, on est au pied du Mont Blanc. Voilà, air de Passy. Donc on va passer dessous d'ici un petit moment en prenant le tunnel. Donc voilà, on se retrouve là-bas. Et voilà, on arrive au tunnel, il reste un virage. On est vraiment au pied du Mont Blanc là. On ne peut pas faire plus près, il y a le glacier juste au-dessus. Allez, on se revoit à l'entrée du tunnel. Voilà, bon, on attend au péage du tunnel du Mont Blanc. Donc on est juste à l'entrée du tunnel. Et ça y est, la barrière s'élève, on y va. Ah, voilà notre frontière, hop là. Ça y est, on est en Italie. Allez, on se revoit à la sortie. Voilà, juste sorti du tunnel. On est en Italie, de l'autre côté du Mont Blanc. Donc voilà. On continue le vlog. Voilà, bon, il reste 1h10 de route. Pause repas. On a fait des crêpes avant de partir, donc c'est pas mal. On est sur une petite aire d'autoroute. Entouré des Alpes, encore dans la vallée d'Aoste. Voilà, on va voir si je refais 2 ou 3 petits trucs avant d'arriver. En tout cas, on arrive bientôt. Restez là. Et voilà, on est sur le chemin, on est en train d'arriver au terrain. Donc grand beau, un tout petit peu de vent. Il fait bien chaud, on va être bien. Voilà, je vais vous montrer un petit peu comment c'est. Voilà, on est sur le champ, donc ça fait déjà 2 heures qu'on est là. Il y a toute l'équipe de France qui est arrivée là, tous les Français. Une partie des Italiens et des Suisses qui sont là, l'équipe de Suède qui est là avec Stefan Wolberg, Mathias Marskiol, il y a également Cédric Deus qui est là. Voilà, donc on va faire un petit tour et c'est parti. Pas mis le preset là. Voilà, je suis un peu tôt. Stéphane. Hello to the vlog. Hey, salut à tous. Bon, c'est le matin du deuxième jour, c'est 7h. Donc je suis le premier levé, il n'y a encore personne dehors. Enfin, rien. Donc je vais préparer doucement les affaires, déjeuner, etc. On va faire le premier vol des modèles puisque le concours aujourd'hui débute seulement à 13h. Donc c'est plutôt tranquille ce matin, ça permet de faire les derniers petits réglages si on a besoin et puis de profiter un petit peu. Donc voilà, je vais essayer de faire 2-3 vidéos et puis après ce sera parti pour filmer le concours. Allez, on y va. Voilà, bon, il est presque 1h de l'après-midi, donc il va bientôt y avoir le briefing. On a fait tous les échauffements ce matin, la fiabilisation des modèles, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Et donc voilà, on va commencer par le premier round, dernier vol, 5 minutes. Il y a beaucoup de gens sur le champ déjà, donc plus que ce qui volera par groupe. On verra bien ce que ça donne. Hein. Une bonne quinzaine de personnes.
Et voilà, attente des Français. C'est ça, c'est ça. Bon, alors c'est le matin du deuxième jour. Il est à peine plus de 7h. Ce matin, on commence à 9h. Donc, là, je vais aller me préparer. Hier, j'étais pas mal dans le stress du concours. Du coup, j'ai pas pu trop filmer. J'ai pas fait des super manches. Pour l'instant, je suis 16e. Je suis remonté depuis la 31e place parce que j'ai foiré mon dernier vol. J'ai fait un hors zone au dernier posé. Donc, on verra ce que ça donne aujourd'hui. J'ai essayé de filmer un petit peu plus et on verra. Voilà, on va essayer de faire 5 manches aujourd'hui, on verra quand ça se passe, voilà, on verra si j'arrive à filmer un peu plus. La journée commence, c'est parti. Bon, comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de monde sur la zone de vol. Ici, donc, beaucoup de nationalités. Ça reste un concours World Cup, donc il y a des gens qui viennent vraiment de partout, des Russes, des Autrichiens, des Allemands, etc. On a beau être en Italie, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de nationalités. Des Italiens, évidemment. Donc, on verra bien ce que ça dit. Aujourd'hui, on attaque par un 3 x 3 minutes 20 à 9h du matin. Donc, on verra bien ce que ça dit. Voilà, allez, c'est parti. Ouais, après, 30 second window. 30 second window. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Petit tonneau. All aircraft must land within 30 second landing window. Heat. Delta, task G, 5 2-minute flights. Score top 5 flights. Round 2. Heat. Delta, this is preparation time. Minute preparation time. Bon voilà, je suis de retour à la maison. On est lundi. Je suis en train de faire le montage pour le film de Vercelli. J'ai pas eu le temps de filmer la remise des prix, etc. Le deuxième jour a vraiment été très 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 intense. J'ai beaucoup coaché, beaucoup volé, j'ai eu des collisions, donc c'était difficile à gérer. Voilà, donc désolé, j'ai pas pu faire une super vidéo sur ce concours. J'ai fait un peu ce que j'ai pu. Donc voilà, j'espère que quand même ça vous montre un petit peu l'ambiance qu'il y avait. C'était vraiment un super concours, donc au final je termine 9e. Donc c'est pas si mal, genre j'espérais faire vraiment mieux quand même. Mais voilà, les collisions, etc. m'ont pas permis de faire aussi bien que ce que je pensais. J'ai aussi fait quelques erreurs stratégiques, enfin bref. Voilà, donc on va retourner à F3K Review de façon normale. Mon logiciel de montage remarche parfaitement, donc on va pouvoir faire des vidéos au top. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce vlog qui a été tourné sur 4 jours. Donc on va bien voir ce que ça donne pour le montage. Et puis, en espérant vous voir bientôt. Si vous me voyez en vrai, n'hésitez pas à venir me voir, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Ciao.